Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes favoris du moment. Donc mon premier favori de cet été, c'est des chandails, peu importe le chandail, mais de cette couleur-là. Donc c'est comme un jaune moutarde un peu, celui-là surtout parce qu'il est comme les manches un peu plus lousse. Je peux pas vous dire où est-ce que je l'ai acheté vu qu'on me l'a donné. Comme deuxième favori que j'ai dans les vêtements, c'est un one piece comme ça rayé. Donc on l'avait acheté vraiment pour mon spectacle de chant en début juillet. Puis ça on l'a acheté à l'aubainerie, puis moi je trouve que c'est vraiment nice. Troisième morceau favori, c'est un chandail comme ça de Puma. Donc moi j'en aime vraiment beaucoup, il est super léger. Puis il y a les écriteaux de Puma comme ça sur les manches. C'est différent, puis un capuchon. Donc voilà. Ensuite, comme coton ôté, mon coton de favori, c'est vraiment lui. Donc j'ai acheté à Boston quand j'ai fait mon voyage avec l'école. Donc il est rouge magenta, puis il est vraiment chaud, puis super confortable, puis il le porte vraiment beaucoup. Finalement, dans les vêtements, j'ai un petit manteau comme ça que j'ai acheté au Urban Planet. C'est plus comme un couvent vu qu'il n'est pas doublé, mais il réchauffe quand même bien, puis c'est comme un peu armé avec des lignes blanches. Donc ensuite, on va passer dans mes favoris en tant qu'accessoire. Il y a des petits bandanas comme ça, qu'on peut vraiment faire plein d'affaires qu'on veut avec, là, mais il est attaché, c'est pas grave. Puis comme avec les cheveux courts, moi je trouve que ça fait plus beau. Ensuite, il y a une casquette comme ça de Puma noir. Des souliers, ça c'est mes favoris vraiment beaucoup. Là ils sont un peu sales et usés, là. Ça fait à part juste 3 mois que j'ai, mais je porte vraiment chaque jour. Donc c'est juste des souliers Adidas, ils sont vraiment confortables. Ça je pense que j'ai déjà acheté, je sais pas. Donc voilà. Donc comme dernier favori que j'ai à la catégorie accessoires un peu, c'est un portefeuille comme ça que j'ai acheté au Ardennes. Donc ça fait un peu comme une sacoche avec la longue gosse. Donc en gros t'as une grosse pochette, contre pas. Une grosse pochette comme ça avec les cartes, quand tu mets tes cartes. Tu as une carte aussi pour mettre ton portefeuille à l'avant. Ça marche. Donc pour les derniers favoris que j'ai, c'est... Donc pour mes derniers favoris que j'ai montrés pour mon été 2019, c'est un peu des catégories un peu mélangées. Mais... Donc premièrement, tu as ça. C'est un petit truc à bine. Tu fais juste passer quand même. Ça sent bon. Meilleure description ever. Donc, maintenant je mets de la lavande dedans. Bon, c'est juste ça, un petit favori là. Comme prochain favori, c'est tout simplement un petit baume à lèvres de iOS. Comme prochain favori, c'est tout simplement des lunettes de soleil. Horrible. Ok, prochain favori. Donc, on va faire un haut-parleur. Quand il l'allume, il fait de la lumière de même. Donc, c'est dans la déco. Donc, un petit cadre de même des enfants. Comme ça, je l'ai acheté au Tigre Géant pour 10$, je crois. Puis là, tu sais, il y a déjà des belles photos bleues. Déjà une belle déco. Favori de la vidéo. Ça! Une petite horloge, ben simple. Oh, à tout. Ça vient du Tigre Géant aussi. À 10$. Donc là, il y a un gros trou au milieu. C'est ça, mon dernier favori. Tout le monde, c'est tout pour mes favoris d'été 2019. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!